Alors là, c'est marrant, c'était mon couvert de base. Avoine facéi. On verra bien ce que ça donne. Vous voyez, c'est beaucoup plus haut que l'autre. Et à côté, bah, c'est Dédé le blé que j'avais semé le 22 sur la bourre. Bon, là, il est blanc, mais je vois qu'il y a des pieds de blé. J'avais bien fait de semer cette journée-là. Ça, il y avait eu 80 mm, je crois, avant. Et après, il y en a eu plus de 340 dessus la gueule. Et Dédé est encore là. On verra s'il fait aussi rendement qu'ici, là. Parce que là, j'ai pas remis les pieds depuis le 22 octobre. Et je suis content, je vois que à vue d'œil, il est à 3 feuilles. Mais bon, là, il est en train de dormir. Le froid, ça lui fait du bien. Hein. Vous inquiétez pas. C'est que quand il naît, là, que ça pourrait casser l'hypoclite, ou je sais plus comment ils disent. Putain, il y a un petit oiseau. Ça doit être une alouette. Elle se cache entre les rainures des pneus. Parce qu'elle a pas chaud. Et ouais, 2 hectares. C'est vraiment un petit chantier, comme on dit. Bon, ben c'est parti. On va rouler ce couvert, profitant que c'est gelé. Bon, déjà les pieds de tournesol, je vois, ils sont pas mal couchés. Je vous mettrai en photo les petits tournesols. L'avoine, elle est pigée, il y avait de la facélie, j'arrive pas trop à la voir là ce matin, elle a fait la gueule. C'est pour éviter en fait que j'aille à broyer. On les graminait, c'est peut-être pas l'idéal. Ah, si, il y en a une facélie, là, des tournesols. Il y avait du Niger aussi et quelques pieds de maïs. Et ce matin, j'ai pas regardé, mais je peux vous dire que ça caille. Je sais pas si c'était comme l'autre dimanche, mais. Nom de Dieu. Comme j'ai dit, ça ferait pas bon mettre le billet à l'air. Hein. Là, au fait frais. De toute façon, les tournesols, ils avaient fini de fleurir il y a 2 semaines. C'est bon, maintenant on est début décembre, mais vous voyez, il y avait des jolis pieds de tournesol. Semés vers mi-août, je crois. Ouais, c'est ça, mi-août. Il y en a qui avaient des belles têtes. Il y en a un là-bas, il était encore en fleurs. En haut, vous le voyez peut-être pas bien. Bon, je suis pas venu plus tôt parce que j'ai dit. Pour une fois que je peux rester au lit jusqu'à 6h30. Parce que bon, hier matin, j'étais à finir de semer le blé. Ah bah tu vois, faut que je tourne, j'arrive à la chinte là. Ah putain, le voisin a semé quelque chose. Je ferai les chintes en dernier, je ferai pas comme d'habitude. Ah ouais, c'est dommage, va falloir que j'achète une barre LED pour devant là, parce que je peux pas vous montrer le boulot que je fais. C'est prévu comme derrière, parce que vous voyez derrière, avec les LED, ça va super bien. Bon, de toute façon, j'essaierai de vous montrer un peu plus tard. Le soleil va bien se lever, regardez là-bas. Je sais pas si je pourrais faire une belle photo, ça sera peut-être la dernière journée de soleil du mois de décembre.
Alors c'est pour ça, là c'est pour un maïs, mais je profite du gel pour le tasser. Peut-être qu'après les graminées vont repartir, mais j'en ai rien à foutre. Je suis pas prêt à labourer, mais je profite de ce gel parce que c'est peut-être moins 4 hein, quand même. Ça va casser toute cette végétation exubérante là. Et puis les vers de terre s'en occuperont. Si tu parles, là je vais pas consommer grand chose et puis j'en ai que 2 hectares. J'irai peut-être faire un essai où je vais mettre des tournesols, mais que sur la partie haute. Parce que la partie basse, j'ai peur d'y rester. Je suis pas sûr que ça porte quand même. Bon, nous sommes le 15 février et ça avait été roulé le 3 décembre. L'avoine. Bon, y a quelques pieds de blé du précédent qu'on repoussait. Il y avait du Niger, tournesol. Les cannes de tournesol, ah non, ça c'était des repousses de maïs aussi, j'avais balancé. Les cannes de tournesol, elles sont ici. Il y avait un peu d'orge. Turricune de vers de terre. C'est labouré tous les ans ici, et quelques raies gras là, je pense que c'est la machine qu'on a amené en moissonnant le blé. Et voyez le résultat. Parce que vous voyez, les tournesols, ils étaient en fleurs avant que ça gèle. C'était fin octobre que ça a dû geler entre les. Puis ici, bah, ça sera labouré pour faire du maïs. Voilà le pouvoir du roulage. Je voulais voir, il y a un endroit que j'avais pas roulé pour voir l'effet, parce que ça m'arrivait au genou hein, le couvert, enfin même plus à ma masse. J'y suis passé parce que bah là c'est l'andin de la batteuse. Parce que ça a été semé à la volée au mois d'août. Et vous voyez, ici. Enfin non, c'est pas forcément l'andin. C'est juste que ici j'ai pas passé le rouleau. Et à côté j'ai passé le rouleau. Vous voyez là un peu l'effet quand même. Vous voyez, il y a de la facilité à repousser. Les tournesols. Ils sont comme ça. Ouais, c'est que là, j'ai pas passé le rouleau. Ça a un effet quand même sur les petites graminées. C'était sur le gel. Vous voyez, les blés, les avoines. Parce que le 3D. C'est bien gelé hein. Je pense que ça va faire du bon boulot. Bon, c'est pas tout aplati, mais tant pis hein. C'est comme ça. Bon, on voit quand même une petite différence hein. Avant, pas avant, après.